Et bien le bonjour. On enchaîne après le test de Days Gone qui d'ailleurs a plutôt bien fonctionné, je vous en remercie. Ça a même fait le double de vues que certaines critiques sur la chaîne, enfin bon, c'est très cool. Merci de soutenir ce format en likant les vidéos et aujourd'hui, on s'attaque à Rage 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué ou ne connaissent pas le premier opus, qu'est-ce que Rage ? Rage est un jeu sorti en 2011 sur PS3 360 et PC et était développé par id Software et édité par Bethesda. Pour rappel, id Software c'est juste l'un des papas du jeu de tir à la première personne, développeur de Doom, Wolfenstein, Quake, enfin bon. Le FPS, c'est leur dada. Rage est donc un jeu de tir à la première personne en monde ouvert se déroulant dans un univers post-apocalyptique, qui jouit d'une bonne direction artistique et d'un gameplay old school plutôt très cool. Et c'était surtout une bonne surprise globalement saluée par la critique presse et les joueurs, mais les ventes n'ont par contre pas forcément réussi à décoller malgré un joli coup de pub dans la saison 4 de Breaking Bad, parce que oui oui, Jesse joue à Rage pour ceux qui n'avaient pas fait lien. Faut dire que pas de chance, le jeu est sorti en même temps que Battlefield 3 et Call of Duty Modern Warfare 3, qui sont encore aujourd'hui les deux plus gros succès de ces deux toutes petites licences. Enfin bon aussi, pas de chance, pas de chance, il y a quand même une équipe marketing derrière tout ça qui a choisi la pire période au monde pour sortir le jeu. Résultat, suite aux ventes décevantes de Rage, la suite a officiellement été annulée en 2013, ce qui a permis à id Software de se pencher sur un nouvel opus de Doom, marquant au passage le grand retour de la licence. Et puis, je ne sais pas par quel miracle, l'envie de voir naître un Rage 2 a finalement été relancée. Avec plus de moyens, une date de sortie au mois de mai, s'éloignant donc des mastodontes du FPS qui sortent chaque fin d'année, avec aussi une nouvelle direction artistique, et du coup ce Rage 2, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Génial. Rage 2 se déroule quelques décennies après le premier opus et pour commencer on va pas y aller par quatre chemins, le jeu est très inégal. On se retrouve dans cette open world, parce que oui, Rage 2 est toujours un FPS avec la particularité de se dérouler dans un monde ouvert. Cette fois-ci, id Software, principalement développeur de la partie shooter, s'est fait épauler par Avalanche Studio et ses nombreuses expériences dans la création de monde ouvert, développeur entre autres des Just Cause mais aussi de Mad Max. Et pour tout vous dire, j'avais de bonnes attentes car j'avais plutôt bien aimé Rage premier du nom, des attentes qui ont été comblées durant la première partie du jeu, parce que oui, ça part plutôt bien, je me suis assez éclaté durant les 3 premières heures de jeu, enchaînant les gunfights ultra nerveux, découvrant la nouvelle direction artistique et rencontrant les personnages haut en couleur de l'univers. On retrouve aussi d'ailleurs certains personnages du premier opus. Le premier problème que j'ai avec Rage 2, dont je souhaite parler dans un premier temps et qui m'a assez choqué, le jeu est court, genre très court. Compter une dizaine d'heures pour boucler la trame principale, jusque là pour un FPS, c'est pas forcément choquant, mais par contre pour un jeu en monde ouvert ça l'est bien plus. En plus de ça, le générique débarque, mais genre ultra rapidement, sans réelle fin ou cinématique après le boss final. Je veux dire, ça avait déjà été reproché au premier opus qui, après le combat final, nous avait offert une cinématique de 30 secondes complètement pétée pour conclure l'histoire. Et bah là, on nous a fait encore pire. Je vous laisse découvrir ça pour ceux qui sont sur le jeu, mais c'est hyper brusque et ça en choquera plus d'un. Ah, ok, c'est... d'accord. Pour ne pas arranger le tout, vous allez bien sûr passer pas mal de temps à rouler dans ce monde post-apo pour rejoindre vos missions. Ça va pas trop vous changer de Days Gone, mais là pour le coup, je vous le dis d'emblée, c'est plutôt chiant. La conduite pourtant arcade est assez molle, et on se retrouve à se balader dans cet univers peu passionnant où il ne se passe pas grand chose. En plus de ça, la map est assez petite et les décors sont quand même peu diversifiés. Enfin bon, on a quand même connu plus stimulant comme monde ouvert. Vous allez parfois croiser des courses-poursuites à la Mad Max, des marchands, des ennemis, des animaux. Peu d'animaux pour tout vous dire, je sais même pas si j'en ai croisé de deux races différentes. Et on ressent vraiment cette impression que le tout a été ajouté pour donner de la vie à cette open world, mais ça reste beaucoup trop léger et le résultat fait vraiment artificiel. Vous avez l'option voyage rapide qui est disponible pour ne pas subir ces longs parcours sans réel intérêt, pour ne pas subir aussi les clippings, les chutes de framerate, etc. Mais bon, pour ma part, je prends mon mal en patience, jouer à un jeu en utilisant les voyages rapides ça n'a jamais vraiment été mon truc, ça sert surtout à le rusher et briser votre immersion en permanence. Passons quand même à un point positif de Rage 2, et pour le coup venant d'id Software, c'est pas vraiment une surprise, mais les sensations durant les gunfight sont vraiment très cool. Vous pouvez le voir, c'est nerveux, rapide, bourrin, on est dans du bon gros fast FPS. Et si vous avez aimé Doom ou encore les deux derniers Wolfenstein par exemple, et bah le jeu devrait clairement vous plaire sur ce point. Pourtant, grand fan d'infiltration, moi qui peux passer des dizaines et des dizaines de minutes pour savoir comment éliminer un garde sans me faire griller dans Dishonored ou Deus Ex par exemple, et bah j'ai clairement pris mon pied à exploser mes ennemis dans tous les sens. D'ailleurs, assez étonné de voir une roue des armes avec l'action du jeu qui se stoppe totalement et qui aura tendance à briser le rythme, j'aurais plutôt vu ça avec l'action qui continue de se dérouler en slow motion, pour que l'on soit toujours vulnérable aux attaques ennemies et nous maintenir dans cette tension permanente que veut nous procurer le jeu. On a aussi encore et toujours ce concept assez cheaté, où l'entrée dans une zone remplie d'ennemis
ennemis est souvent barré pour inciter le joueur à y aller à pied et à les combattre. Mais on peut quand même canarder tout le monde de l'extérieur avec notre véhicule, ce qui va bien nous mâcher le travail. C'est limite scandaleux, hein. J'ai pu passer à côté de tellement de phases de gunfight grâce à ça. Et en fait, ce qui est dommage encore une fois, c'est que sur vos 10 petites heures de jeu, vous allez passer pas mal de temps en voiture sur la route plutôt que sur ces gunfights, qui d'ailleurs par contre, lorsqu'il s'agit de vraies missions entre guillemets, sont plutôt linéaires. Pour un open world, c'est assez triste. Vous avez bien entendu, vraie mission. Parce que oui, après 3 premières heures de jeu plutôt convaincantes, et bah au global, j'ai pas passé un excellent moment sur Edge 2. En gros, le début du jeu se résume à retrouver 3 personnages qui se chargeront de vous donner des missions. Une fois chose faite, vous allez rentrer dans quelque chose qui objectivement n'est pas très intéressant, et subjectivement est une chose que je déteste. Vous allez devoir vous arrêter sur de nombreuses missions secondaires, afin d'augmenter votre cote de popularité vis-à-vis de ces 3 personnages en question, ce qui vous permettra par la suite de débloquer une nouvelle vraie mission et de continuer votre avancée dans l'histoire. Et une fois ces 3 missions réussies, vous aurez donc déjà accès au boss final. Comme la plupart des jeux en open world, ces missions secondaires sont répétitives. Vous aurez de la destruction de stations-service, de barrages routiers, des découvertes d'arches après avoir nettoyé une zone, des destructions de sentinelles ennemies, etc., etc. Des objectifs qui, au vu de leur importance dans l'avancée du jeu, auront finalement plutôt l'image de mission principale. Mais en termes de level design et des enjeux, on va pas se mentir, ça fait beaucoup plus mission secondaire qu'autre chose. Et vous l'aurez compris, mais si ces dernières prennent autant de place dans Rage 2, autant vous dire que l'histoire principale et le scénario tiennent vraiment sur un post-it. Généralement, on peut dire ça pour un scénario peu élaboré, peu profond. Mais là, c'est à la fois ça, mais aussi le fait qu'il n'y en a tout simplement pas vraiment. Ah, ma petite poule aux œufs d'or, reste avec moi. Et le monde n'aura pas de limite. Vous allez grosso modo vous retrouver dans une série B avec une mise en scène minimaliste et des dialogues un peu concon. Mais bon, tout ça ne représente qu'une infime partie du jeu au profit du gameplay. On s'en fout pas mal, voire même totalement des personnages et de l'histoire au final. Et je pense même que chez les développeurs et Bethesda, tout le monde s'en fout aussi un petit peu. D'ailleurs, en tout début de partie, vous allez avoir le choix, comme beaucoup de jeux en ce moment, entre le fait d'incarner une fille ou un garçon. Là aussi, ça sert à pas grand chose et ne changera absolument rien à votre partie. Vous aurez le même nom de personnage, que vous soyez une fille ou un garçon, vous jouerez le Ranger Walker. Passons sur ma partie favorite, les bugs. Pour ce second test sur la chaîne après Days Gone, je dois dire que je suis plutôt bien servi depuis quelques semaines. On en a déjà touché quelques mots, mais vous allez retrouver un peu de tout dans Rage 2. Du clipping en masse durant les phases de déplacement en voiture ou en moto, des chutes de framerate abominables, des murs invisibles qui empêcheront vos tirs ainsi que ceux des ennemis de passer, des trucs codés avec le cul ou par exemple, pour une attaque de station essence, des groupes d'ennemis vont devoir s'occuper de défendre des zones différentes de la station. Un groupe s'occupera de défendre la façade avant, un autre la façade gauche, un autre l'arrière, etc. Sauf que lorsque vous vous occupez de dégommer le groupe d'ennemis de l'avant, et bah ceux sur les autres côtés, même s'ils sont proches, sont totalement sourds et aveugles parce que personne ne vient vous attaquer. Ah ça c'est magnifique, hein. Les mecs ils ont rien entendu. Allez hop, headshot. Et on a aussi d'énormes problèmes de son comme j'ai rarement vu, allant de dialogue muet en passant aussi par une disparition totale du sound design. Du coup, on va charger une sauvegarde récente, le problème persiste encore. J'ai joué 30 minutes comme ça, sans son et avec les sous-titres avant d'avoir une idée lumineuse. Relancer totalement le jeu et c'est bon, j'ai pu retrouver mes oreilles. Tout ça pour vous dire que Rage 2 est malheureusement ultra buggé. J'ai simplement joué environ 10 heures et je pense en plus en toute honnêteté que je suis loin d'avoir fait le tour des bugs. Sinon à part ça, Jean Clapin, User Experience, aime le feedback sur le viseur lorsque l'on tue quelqu'un. Très clair, visible et gratifiant parce que putain, faut y aller pour buter vos ennemis, surtout en difficulté maximale. La direction artistique est plutôt cool, bien que techniquement, vous devez le voir depuis le début, c'est assez inégal. Ça suit bien sûr cette nouvelle mode des mondes post-apo bien colorés. On s'écarte énormément du style très grisé du premier opus pour se rapprocher d'un côté plus rose fuchsia comme Far Cry New Dawn. Les villes sont plus vivantes et travaillées que le reste du monde. Pour le coup, j'adorerais vraiment avoir un jeu avec des décors de la sorte en permanence, plutôt que tous vides et ces montagnes qui font encore plus fausses que les fesses de Nicki Minaj. Pardon, c'était gratuit. Vous allez aussi, ce sera une des autres particularités de Rage 2, votre personnage sera doté de pouvoirs. Mais cette fois-ci, encore une fois, rien de fou, rien de novateur ou d'impressionnant. On est en 2019, hein. Projeter des gens sur une longue distance ou générer une onde de choc au sol après un saut, ça n'a rien de surprenant. À vrai dire, le plus jouissif reste l'overdrive, moment durant lequel le joueur devient littéralement surpuissant et vous permettra de réaliser de belles boucheries.
Nous sommes habitués, rien de novateur non plus, mais nous allons aussi retrouver de nombreux systèmes de progression, de déblocage de compétences, d'amélioration de pouvoirs, etc., etc. Et en fait, le véritable problème de Rage 2, c'est qu'il est déjà moins ambitieux que prévu, mais aussi et surtout qu'il n'invente ou ne réinvente rien. À vrai dire, le jeu et les équipes de Bethesda n'ont pas l'air d'avoir vraiment cherché ça non plus, mais ça m'amène forcément à cette question. Pourquoi avoir annulé Rage 2 en 2013 par peur de ne pas rentrer dans ses frais, pour revenir quasiment 10 ans plus tard avec un produit qui n'apporte pas grand chose au genre? Et pire, qui a même l'air de sortir avec des années de retard. Pour être clair, à part les phases de gunfight, vous trouverez peu d'intérêt à jouer au jeu. Vous voulez du monde ouvert? Vous en avez déjà parcouru tellement qu'il était plus riche. Vous voulez une ambiance barrée? Vous l'avez déjà eu dans tellement d'autres titres, tels que Borderlands par exemple. Et c'est à peu près le cas pour tout. Tout sauf ces sensations de gunfight qui font quand même plaisir à ressentir. En gros, pour résumer le tout en quelques mots, Rage 2 est un bon shooter, un très bon shooter même, mais dans un jeu qui manque cruellement d'inspiration et d'ambition. Il y a quelques semaines, on parlait ensemble de Days Gone, test du jeu où je suis majoritairement revenu sur les défauts de celui-ci parce que oui, il y en avait, mais si je devais vraiment vous conseiller l'un de ces deux jeux sans les comparer directement bien sûr, et bah je vous pousserais plutôt à découvrir Days Gone, qui est un jeu qui est plus long, qui est plus riche, avec un scénario et des personnages plus travaillés. Rage 2 est et restera malheureusement une petite déception. J'attendais ce jeu comme beaucoup de personnes je pense, et mes attentes n'ont pas été comblées. Je ne vous conseille donc pas forcément le titre, je me lance dès maintenant sur le prochain test qui devrait arriver très prochainement. Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir le format de test régulier sur la chaîne, à vous abonner aussi pour suivre ça, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Rage 2, et puis, c'est la fin du test, je passe à la suite. Je vous fais encore une fois plein de bisous, et je vous dis à très vite.